14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. C'est-à-dire gardien de la justice de Dieu. Donc, jusqu'aujourd'hui, le diable se croit toujours doté de ce pouvoir. C'est pourquoi il t'accuse, il m'accuse toujours devant Dieu, parce qu'il croit qu'il est le surveillant, le détenteur de la justice de Dieu. Et dans ce journisme-là, il n'a plus ce rôle. Parce que s'il y a quelqu'un qui accuse, il y a un avocat. Et toi, tu as déjà un avocat. Et lui, il accuse auprès de qui? Le juge, c'est qui? C'est Dieu. Qui est Dieu? C'est ton père. Ton avocat, c'est son fils. C'est pour cela, sa mission est devenue caduque. Son rôle est caduque. Même s'il accuse, il y a la célébration de Yom Kippour. Et là, l'avocat se présente avec les plaies entre ses mains, ses pieds, son côté. Et quand les juges voient que celui qui défend, c'est son propre fils, il n'a plus d'argument. Il lève la séance. Il dit, ce sera à huis clos. On va délibérer à huis clos. Et c'est là, à huis clos, qu'on va lever. On va prononcer ton acquittement. Les meurtrissures de Christ, les plaies, les cicatrices ont poussé Dieu à ne plus regarder la croix, il a regardé de l'autre côté. Et Christ a crié, Eloi, Elohim, lama sabachthani, pourquoi tu m'as abandonné? Pour que lui, il ne t'abandonne plus. Ce mystère est merveilleux. Alléluia. Donc, il n'est plus le gardien de la justice de Dieu. C'est comme ça qu'il va accuser Job, il va accuser Moïse, il va accuser tous les grands noms des patriarches. Mais il y a l'œuvre sacrificielle de Golgotha qui absout tout. Amen. La force. La première des choses que tu dois comprendre, la Bible est traduite de l'hébreu en grec. Mais chaque mot hébraïque a au moins trois significations. De même que Dieu a subdivisé le monde dans trois parties prophétiquement. Donc, le mot force en hébreu, Ha'il, H-A-Y-I-L, qui veut dire la capacité surnaturelle à exercer efficacement l'autorité. Et cette capacité surnaturelle à exercer efficacement l'autorité appartient à Dieu seul. Aucun autre être dans le monde spirituel ne détient cette capacité appelée force. Donc, celle appartient à Dieu. Dieu manifeste sa force. Quand il la déploie, c'est dans la création. Donc l'univers a été créé par sa force. Psaume 62, rapidement. 1, 2, 3. Dieu a parlé une fois
Deux fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. La force est à qui? Amen. Mais Dieu n'est pas égocentrique comme toi. Quand tu as une force, tu veux l'utiliser pour écraser les autres ou tu la gardes pour toi-même. Dieu est communautaire et familial. C'est comme ça qu'il lui arrive à déléguer sa force. Il peut déléguer une partie de sa force pour que l'être qu'il a créé à son image puisse l'exercer. Nous le retrouvons dans Genèse 1, 26. 1, 2, 3, c'est parti. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons. Donc, si l'objectif, le but de la création de l'homme, si n'était pas de dominer, Dieu n'allait pas te créer. Tu as compris? C'est pour cela, Dieu s'est reproduit en quelque sorte dans le vase de terre, dans la matière. Il s'est incrusté dans la matière pour que l'homme soit doté d'une portion de sa force pour créer et pour dominer. Continue. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Attention. Reprends le texte. 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Quatre choses sortent de la bouche de Dieu et les mêmes choses sortent de sa bouche ce soir. La première, c'est laquelle? Soyez féconds. Sois fécond. Sois fécond naturellement. Dans les affaires, sois fécond. Dans les activités, sois fécond. Dans la pensée, sois fécond. Dans la mentalité, sois fécond. Dans la créativité, sois fécond. L'onction ne veut plus avoir les rachetés, les saints, secs, stériles dans les pensées, stériles dans les paroles, stériles dans les initiatives. Sois fécond. Ça, c'est l'ordre. Dieu ne te suggère pas. Il te donne l'ordre. Sois fécond. Sois fécond. Deuxième chose, multiplier. Oh. Pourquoi Dieu parle de multiplication? En fait, il parle de lui-même. Il est Elohim, Dieu plusieurs. Il est Dieu plusieurs. Multiplie-toi le matin. Tu es quado. À midi, tu es boulanger. L'après-midi, taximan. Le soir, tu comptes le diamant. Il y a beaucoup de choses en toi qui somnolent. Multiplie